Allez, test son et lumière. Bon bah du coup je sais pas trop par où commencer puisque ça fait quand même plusieurs semaines qu'on s'est pas vu sur les réseaux, qu'on reste silencieux et on vous balance une vidéo comme ça, comme si de rien n'était. Alors il s'est passé énormément de choses depuis qu'on s'est quitté fin décembre et à la fois pas grand chose. Donc je vous lance l'intro et on se retrouve juste après pour que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos trois enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous cinq, on peut enfin en profiter. Mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2 mètres de large, 3 mètres de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003 et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, on reprend un petit peu les vidéos, ce sera peut-être pas de manière aussi régulière qu'avant. On va le faire vraiment en fonction des travaux. Il s'est passé pas mal de choses depuis, mais avant on va parler vraiment, on va revenir au tout début. C'est-à-dire que là, au moment où je tourne cette vidéo, on est à peu près à la date anniversaire du moment où on a décidé de prendre ce car. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, on a été visiter ce car, Iris, et on a pris la décision de le prendre, de l'acheter. Et quelques semaines après, 2 ou 3 semaines après, en février 2022, on l'a ramené ici, on a commencé à le démonter et on s'est lancé à 100% dans ce projet qui n'a pas été vraiment si facile que ça. Vraiment, avec 2 ans de recul, on a eu beaucoup de moments de doute, beaucoup de moments compliqués, difficiles, mais on est quand même content parce qu'on a vachement bien avancé depuis quelques semaines. Voilà, on regarde les vidéos et les photos d'il y a un an, il n'y avait encore pas d'isolation, quasiment zéro électricité, il y avait des tasseaux partout. Voilà, on a quand même bien avancé, il faut aussi savoir regarder les travaux qui ont été faits. Mais ces dernières semaines, on ne regardait pas les travaux qui ont été faits, on regardait ce qui nous restait à faire et petit à petit, il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées, qui sont venues nous plomber le moral. Vraiment, c'est pour ça aussi qu'on a été absent. C'est pas non plus excessivement grave, hein, vous inquiétez pas, on est toujours là et on va toujours continuer ce projet. Simplement, ça a été un peu plus compliqué ces dernières semaines, notamment sur la caravane. On a eu des problèmes avec la caravane qui ont fait que malheureusement, on a dû quitter Sika. Voilà. On ne vit plus actuellement dans Sika pour la simple et bonne raison qu'elle n'est plus en bon état. Voilà. J'ai fait pas mal d'erreurs au niveau des travaux quand je l'ai refaite et je pense que ces erreurs font qu'aujourd'hui on en paye le prix. Au niveau de l'isolation, j'ai pas forcément fait d'erreur, mais au niveau des produits et de la technique que j'ai utilisée pour la réparer, bah clairement ça n'a pas marché. C'est la fin de Sika. Elle nous a rendu service pendant 3 ans, mais là c'est fini. On repart sur les mêmes soucis qu'on avait eu quand on l'a eu, quand on nous l'a donné. Exactement aux mêmes endroits. Ça n'a pas marché. Voilà. Bon, j'ai fait une connerie là-dessus, j'ai fait des erreurs et bon, bah voilà. Elle aura tenu 2 ans, presque 3 ans, parce qu'au final, on l'a investi en avril 2021 et on a été obligé de la quitter en décembre 2023. Voilà. Donc elle a quand même fait presque 3 ans et pour ça, eh ben, c'est quand même pas mal. Franchement, on s'en est quand même plutôt bien sorti. Mais malheureusement, on a dû la quitter. Suite à ça, pour partir sur une note un peu moins négative, on a eu quelques petits soucis pour rentrer le gros pépère, là, que vous voyez. Oui, on a investi dans un frigo, je vous le montrerai un petit peu plus tard. J'avais pris les mesures. Donc, pour moi, ça passait 1m75 entre le plafond et le sol, il n'y a pas de souci. Sauf que pour le rentrer, je n'avais pas pris en compte la largeur de la porte. Heureusement, c'est passé. Et j'avais pas pris en compte la hauteur entre, vous savez, l'endroit où il y a le siège guide qui était démonté et le plafond, sauf qu'au plafond, j'avais mis des coffres hauts dans le poste de conduite. Donc j'ai fait sauter ces coffres, voilà. Mes magnifiques coffres dont je n'étais pas du tout content, je les ai fait sauter, voilà. Ça y est, on y est arrivé. J'ai failli pleurer. Moi, je me suis un peu énervé. On pensait qu'il rentrait. Non, vraiment, on a cru que... Alors, il fait 1m72, donc on a encore de la marge. Sauf que moi, pour moi, il devait rentrer ici, là, par la porte d'entrée, comme je le disais. Sauf qu'en fait, c'était sans compter qu'il y avait mon coffre là-haut. Enfin, j'avais, du coup. Regardez, j'ai arraché tout mon lambris.
Et j'ai découpé, enfin j'ai tout arraché ce que j'avais fait. Et regardez maintenant comment c'est beau. C'est magnifique. C'est le même vert que nos cloisons. Et franchement, je suis beaucoup plus satisfait du résultat que ce qu'on avait avant. C'était clairement pas fini, pas propre. Et ça servait à rien, c'était pas du tout fonctionnel. Et puis clairement, c'est beaucoup plus chouette comme ça, beaucoup plus aéré. Moi je kiffe. Pas vous? Donc maintenant qu'on a réparé cette petite chose, cette petite bêtise on va dire, d'arrachage de lambris et de démontage de coffre, clairement je suis beaucoup plus satisfait de ce à quoi ça ressemble maintenant, même si clairement c'est pas du tout ce qu'on voulait, on voulait quelque chose de fonctionnel, on voulait des rangements. Mais en fait, ça me gêne pas de pas avoir de rangement à ce niveau-là. Vraiment, ça me gêne pas, c'est épuré, c'est beaucoup plus simple. Et je pense qu'on est dans une dynamique aujourd'hui sur les derniers mois, les dernières semaines qui nous restent. Il faut qu'on aille à l'essentiel. Vraiment, il faut qu'on aille à l'essentiel. Il faut qu'on fasse vraiment pas le minimum, mais juste en sorte que tout soit fonctionnel, homologué, et qu'on n'ait pas besoin de revenir dessus non plus. Donc, quand je parle de finition, je ne veux pas mettre tout dans le détail non plus parce que c'est quelque chose que je peux faire plus tard, mais je veux au moins que mes lampes soient fonctionnelles, c'est-à-dire que je veux que ça ne pende plus, etc. Même si j'ai pour l'instant pas d'interrupteur dessus, je peux les faire après, c'est pas gênant. C'est des détails, c'est des choses qui vont nous prendre du temps et qu'on fera plus tard. Par exemple, concernant le plan de travail, on voulait au départ, on s'était mis dans l'idée de prendre un plan de travail moins cher ou même en récup, de faire notre plan de travail, de mettre une plaque de gaz autre que celle qu'on a, puisqu'elle est vachement complexe quand même à mettre, surtout pour l'homologuer par rapport à Caligaz, les brûleurs, les fixés, tout ça. On voulait du coup pas se prendre la tête et prendre la plaque de gaz de la caravane, vu qu'on n'y vit plus, on l'a démontée, on voulait la mettre en place, prendre un plan de travail de récup, aller au plus vite, aller au plus simple et passer l'homologation avec ça. Bon, je me suis dit, les plans de travail, c'est dommage de prendre du provisoire, donc on a quand même pris nos plans de travail en chaîne, en lamelles collées, et on est plutôt content. Vraiment, on est plutôt content du résultat. J'ai un ami qui est passé donc nous aider, Anthony, avec sa femme Elodie. Ils nous ont donné un sérieux coup de main, donc sur 2-3 petites bricoles, mais ça fait vraiment plaisir d'avoir un coup de main là-dessus, sur le ponçage des meubles, sur le contour des fenêtres, sur la découpe au niveau du plan de travail, les prises de mesure, et encore, il y aura d'autres choses qui vont venir après. Et surtout, surtout, ils nous ont donné un bon coup de motivation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me permets de reprendre la caméra et de reparler face à cette caméra et de vous partager un petit peu tout ça. Et ça fait du bien, clairement. Donc le plan de travail, on va, pour l'instant, il est provisoire, il est retourné. Voilà, il ne va pas rester comme ça. Il est retourné pour pas qu'il jaunisse au soleil. Anthony va venir le récupérer quand on aura pris toutes nos mesures pour cette partie-là aussi, parce qu'il y aura un bout de plan de travail de la même matière. Ici à ce niveau-là, sauf qu'on n'a pas encore notre vasque, on n'a pas encore notre système d'eau, donc tout ça, ça va venir après. Et il va m'embarquer tout ça, donc les trois parties, celle-là, la grande là et la petite ici, pour me les traiter, me les travailler correctement, m'arrondir les angles, etc. Il va me faire un travail magnifique. Et franchement, rien que pour ça, je le remercie. On s'était quitté la dernière fois sur mon meuble de cuisine que je n'arrivais pas à monter. Je vais vous montrer un petit peu ça. Donc voilà, maintenant on se retrouve avec un meuble de cuisine qui est d'un bloc. On a réussi à rassembler celui-ci avec notre ancien buffet. On va mettre ici un rangement avec des étagères, mais sinon tout est fonctionnel. Bon, c'est un peu bazar dans les tiroirs. Tout a été poncé correctement. Et on a intégré, pour ceux qui connaissent, un ancien meuble qui nous restait en fait des enfants. C'était les casiers à jouets de nos enfants. Du coup, ça va être notre poubelle, tout simplement. Et on va faire un système pour que ça bouge pas, bien sûr, avec des arrêts, avec quelque chose comme ça. Quelque chose d'assez chouette ou avec une porte. On va faire un truc sympa. Donc là, le plan de travail, comme je le disais, il est retourné. Bien sûr, il va venir jusqu'ici. Et au niveau des finitions, on verra ça plus tard. Donc ensuite, suite à tout ça, on a enfin réussi à brancher notre chauffage, notre Chinasto, pour qu'on puisse travailler un peu à l'intérieur. Parce que quand il faisait moins 5 dehors, il faisait à peu près moins 1 dedans. Et clairement, moins 1 pour tout ce qui est électroportatif, c'est pas trop facile en fait pour les batteries. Elles aiment moyen. Donc on s'est dit qu'il fallait peut-être chauffer, et même pour nous aussi, pour qu'on soit confort dedans. On s'est dit qu'il fallait chauffer un peu l'intérieur. Donc on a enfin réussi à le mettre en place, encore une fois grâce à Anthony qui m'a dépanné de la gaine du bon diamètre. Maintenant c'est confort quoi. On peut bosser dans le plus grand des conforts et ça c'est cool. On a continué à faire de la récup sur les contours de fenêtres. Donc on a raboté, on a récupéré
des planches de palette qu'on a rabotées, qu'on a travaillées. Maintenant, on a deux fenêtres ici qui sont quasiment terminées. On a trouvé la technique. Il va falloir faire ces deux-là aussi. Sauf que ces deux-là, on ne va pas pouvoir les faire tout de suite. Surtout celle-ci, on va pouvoir la faire que quand on aura notre plan de travail qui soit fixé. Puisque je ne sais pas encore à quelle hauteur on va être ici. Je ne sais pas encore comment ça va se présenter, donc je veux faire quelque chose d'assez propre, d'assez bien fini. Et surtout, je veux pas que ça présente des risques au niveau des fuites, si jamais on renverse un verre, c'est un plan de travail, donc c'est quelque chose que je ferai après. Donc ensuite, il y a un truc qu'il fallait que je fasse depuis un petit moment, et ça, je vais prendre la GoPro avec moi, je vais vous expliquer, je vais vous montrer ce que j'ai fait, et je suis super content d'avoir fait ça, ça me trottait dans la tête depuis tellement longtemps. C'est encore une erreur que j'ai faite, et avant de réparer cette erreur sur la route, j'ai préféré le faire tout de suite parce que clairement j'allais me bien faire chier sur la route et j'allais même pas le faire. J'allais me dire c'est bon, on est sur la route, on profite. Non, j'ai préféré le faire avant. Je vais prendre la GoPro, je vais vous montrer ça. Donc voilà, j'ai tout passé de ce côté, juste en face de mon coffre à batterie. J'ai mon coffre à batterie qui est ici, accessible de l'autre côté, côté conducteur, et j'ai toute ma platine qui est ici maintenant. Et franchement, déjà pour une raison accessibilité, je gagne l'accès du coup à tous mes composants, je gagne de la place à l'arrière, et ça c'est vraiment pas négligeable, je vais vous montrer juste après, et je gagne en longueur de câble, puisqu'en fait au niveau du rangement de mes câbles, parce que je l'avais pas encore fait, au niveau de l'électricité de mes soutes, j'avais un petit problème au niveau du rangement des câbles, je voulais que ça soit quand même assez propre au niveau des goulottes, et j'avais pas assez de mou au niveau de mes câbles photovoltaïques, et bah problème réglé puisque j'ai déplacé la platine, j'ai fait ça correctement dans les règles, mais maintenant j'ai largement de quoi faire pour faire un rangement de câbles propre et efficace. Donc du coup de l'autre côté maintenant je gagne en rangement puisque ici il y aura ma machine à laver normalement qui va venir à peu près là, voilà. Entre les deux, entre ma platine et ma machine à laver, je peux tout à fait maintenant mettre soit mon surpresseur, soit mon chauffe-eau sans aucun problème et sans me poser la question de comment je mets en place, parce que maintenant j'ai tout ça, j'ai toute cette demi-soute, même plus que la demi, j'ai trois quarts de la soute qui est libre et j'ai encore une soute 100% libre à côté. Donc voilà, ce problème a été réglé et clairement, comme pour les coffres eau, je suis super satisfait. Ça fait un moment que ça me trottait dans la tête, c'est une erreur de ma part de l'avoir mise ici. Le jour où Georges est venu pour l'installer, je ne savais pas trop où la mettre, je ne savais pas encore comment organiser mes soutes, puisque je ne savais pas encore combien j'allais avoir d'eau, je ne savais pas encore quel surpresseur j'allais avoir, je ne savais pas encore quel chauffe-eau j'allais avoir. Et maintenant que c'est un peu plus clair dans ma tête et sur mes plans, eh ben, j'en profite pour revoir un petit peu mon agencement. Alors si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez vraiment partir sur un quart avec la même autonomie, réfléchissez aussi à votre plan d'aménagement des soutes et pas que l'aménagement intérieur. Il y a des composants qui prennent de la place et qu'il faut, mais bien sûr sur nous, notre modèle, il y a des énormes soutes en hauteur, on a 1m15 quasiment, mais quand même, il ne faut pas négliger l'emplacement, surtout du solaire. Alors moi, mon idée, c'était de déplacer le solaire et de vraiment le mettre à part de tout ce qui est système d'eau. Pas mélanger les deux. Il faut que ça soit cloisonné. Donc, problème est réglé. J'ai réglé, j'ai solutionné comme ça et c'est beaucoup mieux. C'est plus accessible et beaucoup mieux. Ensuite, sur les aménagements, donc on a eu un partenariat avec Awesome, le site Awesome. On a eu un petit bureau pliable qui prend vraiment pas beaucoup de place. Je vais vous le montrer. Franchement, c'est vraiment un petit gadget, on va dire, c'est un petit gadget, mais qui nous solutionne un autre problème. Pour notre plus grande, on voulait qu'elle ait son coin bureau à elle pour pouvoir bosser, pour pouvoir dessiner, qu'elle ait vraiment son petit cocon à elle, plutôt que de venir sur le canapé ici. On s'est dit que si vraiment chacun voulait travailler, que moi je voulais travailler sur mon PC, qu'Olivia voulait travailler aussi sur ses créations, et que la petite, elle voulait travailler dans son coin, faire son école ou quoi que ce soit, il fallait qu'on ait vraiment chacun notre espace. Le problème est réglé maintenant avec ce petit bureau, je vais vous le montrer. Donc voilà le bureau mural mis en place à son emplacement définitif. Donc là, on est sous le lit de notre enfant. Mon avis sur ce meuble, c'est qu'il est très compact, très facile à nettoyer avec son revêtement. Et franchement, il est super pratique. Il prend vraiment pas beaucoup de place quand il est rangé. Et on a quand même un bon espace de travail pour n'importe quelle activité, que ce soit de la peinture, que ce soit de l'écriture ou même du travail informatique. Bon, par contre, là, c'est plus adapté à un enfant ici, dans cette configuration. Si vous êtes dans un cas comme nous, où chaque centimètre compte dans votre aménagement, je vous recommande fortement ce bureau qui vous permet d'avoir un très bon espace de travail et qui, une fois rangé, prend vraiment très très peu de place.
est-ce que je parlerai pas aussi de la boutique? Allez, on va parler de la boutique. Je voulais vous en parler déjà début octobre, je crois. Début octobre ou courant octobre, ça fait déjà un moment qu'on voulait vous en parler. On avait même mis un compte à rebours par rapport au nouveau logo de la chaîne, par rapport à beaucoup de changements qui devaient s'opérer. Et au final, il n'y a rien qui a été comme prévu. Olivia a monté son auto-entreprise, je l'ai aidé sur le plan administratif. Sauf qu'en fait, il y a eu un couac. Et là, c'est vraiment pas de notre faute. Au niveau du tribunal de commerce et de la chambre des métiers, chacun se renvoyait la balle. Personne n'a voulu valider le dossier. On ne sait pas pourquoi, même eux ne savent pas pourquoi. Il y a eu, c'est tombé sur nous. Sauf qu'il a été validé maintenant, là, il n'y a pas longtemps. Là, on est fin janvier, ça a été validé il n'y a pas longtemps. Donc, on peut officiellement maintenant ouvrir la boutique. Ce qu'on a fait depuis quelques jours. Je vais vous mettre le lien juste en dessous. Je mettrai le lien dans la description. Donc, c'est la boutique d'Olivia, bien sûr. Hein, c'est pas la mienne. Moi, j'ai mes photos. En auto-entrepreneur à côté, j'ai mes photos, mes vidéos. Olivia, elle a sa boutique sur laquelle pour le moment, alors sur cette boutique pour le moment on n'a que deux designs. On a le logo Time to Escape et on a le logo de Olivia. Voilà. Donc du coup ça c'est le logo d'Olivia. Pour l'instant on a fait quelques produits, on a fait des mugs parce que du coup c'est à la base de notre projet, on voulait faire des mugs personnalisés. Il y a d'autres designs qui vont venir en rapport avec la nature, en rapport déjà en premier temps avec les oiseaux. On vous en dit pas plus, on a fait quelques tests avec une presse, avec notre imprimante, donc avec notre matos. C'est pas encore au point, on peut pas... disons qu'on préfère que ce soit de bonne qualité, on peut pas se permettre de vendre ça. Donc on s'en sert pour nous actuellement, ça reste des mugs, ça reste des récipients, mais on peut pas vous les vendre tout de suite. On va travailler là-dessus dès qu'on aura un peu plus de temps. C'est dommage qu'Olivia soit pas là pour en parler, et j'espère qu'elle sera là tout à l'heure pour en parler, ce serait mieux qu'elle vous en parle aussi. Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. C'est condensé sur quelques minutes de vidéo, mais c'était important de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. On a eu quelques petits soucis, on a eu quelques bonnes nouvelles. Enfin voilà, ça a bougé un petit peu quand même, mais pas au point de vous faire une vidéo par semaine. Clairement, c'était on allait faire une vidéo qui allait pas de contenu intéressant du tout, et vous me connaissez, et pas de contenu, pas de vidéo. J'ai pas envie de vous faire une vidéo pour dire bah cette semaine on n'a rien fait, coucou, au revoir. Voilà, clairement c'est pas du tout mon but. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ça sera peut-être un petit peu monté bizarrement, mais les futurs artistes, les constructeurs de l'extrême, je suppose qu'ils sont en train de fabriquer un château fort peut-être. Bon, on est de retour au quart. Qu'est-ce qu'on fait? Les contours de fenêtres. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire les contours de fenêtres. Parce que c'est Olivia qui l'a fait. Hein. Parce que moi, j'étais en train de faire autre chose. C'est du chocolat. Contour de fenêtres. En vernis, couleur. Non, c'est pas du chocolat, c'est du wenge. Du wenge. Ouais. Je sais pas comment ça se dit. Je sais pas. Il est là. Ouh là là, c'est dangereux ce que je fais. Voilà, V33, wenge. Et on est super satisfait du résultat. Ça approfondit les encadrements de fenêtres. Donc on va faire une deuxième couche après avoir égrené un petit peu au grain fin. On va faire celui-là après. Et de l'autre côté, on va peut-être pas le faire tout de suite parce que on ne sait pas ce que ça va donner avec le plan de travail. Donc on va regarder. On va déjà préparer les planches parce que ça coûte rien de le faire. Celle-là au moins, voilà. Et on va commencer à préparer notre encadrement ici, dans lequel il y aura notre éclairage. On va réfléchir un petit peu, on va potasser, mais on est en train de se lancer dans des trucs qui sont normalement censés être des finitions, mais on avait envie de faire des petits trucs comme ça qui sont jolis, qui sont sympas à faire. Ça fait du bien des fois, de se poser au soleil, boire un café, hein, que c'est avant vrai. Avant de se lancer dans l'eau, avant de se lancer dans les cuves d'eau qui vont arriver. Qui sont en préparation, en construction. Elles sont en cours de construction, elles vont devoir arriver courant février, bah ouais, un truc comme ça je pense. Non, peut-être pas la semaine prochaine, mais courant février. Ouais. Normalement. Donc ça veut dire qu'après, on aura un point d'eau ici, on aura la douche, on aura deux points d'eau dans la douche, normalement. Mais ça sera plus tard. C'est vrai que j'ai pas parlé des cuves. Ah, donc voilà, on est dans la soute, la fameuse soute, où on aura nos deux cuves. Alors, pour le moment, on est resté sur une cuve d'eau grise. Alors, la cuve d'eau grise ici, la cuve d'eau propre ici. Sauf que si je pars sur un rectangle qui fait toute la longueur, et qui s'arrête à peu près à ce niveau-là, puisque là, en fait, j'ai ce montant-là. Je ne peux pas couper, forcément, c'est structurel. Je ne peux pas y toucher, donc on a une cuve qui ferait 570 de haut, un peu moins de 60.
sur 570 dollars sur 2200. Donc on a une cuve qui fait, j'ai pris des notes, je ne sais même plus lire mes notes, 714 litres. Donc si je parque sur un rectangle, on a 714 litres. Clairement, c'est pas assez. Pour 5, c'est pas assez. Moi, je voulais un peu plus de 800 litres. J'aurais bien voulu avoir au moins 900 litres, voire 1000 litres, mais clairement, on peut pas, là, vu la place qu'on a. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir une petite cuve, en fait, un petit retour, je veux dire. Voilà. Donc en fait, on aurait une cuve ici en L. Donc on aurait la partie là, normale, en rectangle, et à partir de là, le montrer comme ça. Donc ça nous donnerait, en fait... On voit rien. Voilà. Une cuve un peu comme ça. Voilà. Donc, dans l'idée, ça, ce serait la cuve d'eau propre. À côté, on aurait un rectangle basique de 1400 en longueur, de 700 en largeur et de 470 en hauteur. Donc, ça ferait une cuve qui arriverait à peu près là. Donc, ça me laisserait un peu de place au-dessus pour mettre le surpresseur, des rangements de l'autre côté ou peut-être la goulotte pour permettre de passer toute l'électricité protégée, bien sûr, hein, je suis pas fou, jusqu'à la soute d'à côté. Donc voilà, on aurait donc une cuve ici de 880 litres d'eau propre et une cuve ici de 460 litres d'eau sale. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Si on part là-dessus, à voir combien ça va nous coûter. Donc j'étais parti au départ sur 800 et 400 et on a réussi à gratter un petit peu, à voir si on pouvait avoir un peu plus. Donc on part sur 880 litres. Je pense que c'est pas trop mal, 880 litres pour 5. Hein, Olivia? Elle est cachée, Olivia. Non, elle joue à Mario. Elle joue à Mario, elle a pris ma console. Ouais. Oh, elle a pris ma console. Arrête. Oh, mais. T'as perdu. J'ai foncé dans le boss. C'était le boss? Bah, peut-être, si c'était une grosse tortue qui crache du feu. Ouais, c'était le boss. Comment t'es trop nul? Ouais. Bon, voilà, on part sur 880 litres d'eau propre. Je pense que c'est pas trop mal. C'est pas autant que j'aurais voulu, mais bon, c'est déjà pas mal, 880 litres. On n'est pas des gros consommateurs. On est proche des 900 litres, quoi. On est proche des 900 litres, voilà. Comme dit Olivia, c'est pas non plus... C'est pas mal. C'est pas mal. Faut pas trop en vouloir. C'est vrai que moi, j'aurais bien voulu avoir un peu plus, mais bon, c'est pas pour dire d'avoir la plus grosse cuve, c'est vraiment pour dire d'être le plus autonome possible. C'est-à-dire, comme ça, si on veut rester 15 jours quelque part, on peut. C'est pas pour avoir la plus grosse. C'est pas pour la plus grosse. Non, non, non. Même si j'ai pris un bus de 12 mètres pour dire que j'ai la plus grosse, mais... Non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai du tout. Non, non, non. On a pris un bus de 12 mètres parce qu'on kiffait le rouge, en fait, tout simplement. Hein, c'est vrai. Ouais. Voilà, on l'a pris pour la couleur. En plus, c'est vrai. Et en plus, c'est vrai. Donc voilà, on part sur ces deux cuves-là. On vous tient au courant s'il y a du nouveau dans les prochains jours. Ou peut-être un peu plus tard dans cette vidéo, on ne sait pas. Depuis tout à l'heure, je fais que de parler, mais je travaille pas. On va encore me dire que je fais que de parler. Toi. Ça, c'est moi. Je fais que de parler. Voilà. Bah voilà. Je vais avoir un commentaire. Arrête de parler. Non. C'est clair que là, sur celle-ci, ce début de vidéo, j'ai beaucoup parlé, mais il fallait expliquer pourquoi on avait changé nos plans, il fallait expliquer pourquoi on a pris nos mesures pour les cuves dans la soute. Là, maintenant, en plus, on a vidé entièrement la soute, il faut aller la remettre tout le bordel qui était dedans. Hein, Olivia, tu viens m'aider à remettre tout le bazar? Non. Ah si, il faut remettre tout le bazar. Non. Si. Et voilà, les contours de fenêtres sont beaux, hein. Avec la fenêtre montée, et il y aura une petite finition qui va venir ici. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Enfin, je dis ça, mais ça se trouve, vous le verrez dans cette vidéo. J'ai aussi avancé sur les trappes. Donc, j'ai récupéré en fait des plans de travail de bureau, en fait. C'est du contreplaqué 7 plis, super épais, 3 cm d'épais, et on va faire le test. Hein. Alors, vous pouvez y aller, hein. C'est costaud. Là, on peut montrer celui-là. Il y a l'aspirateur au plein milieu, mais voilà. Ah, il est retourné. Oui. Il y a le côté poncé dessous pour le protéger. On peut y aller. Hein. Et là, crac. Oh, 3 cm d'épais, il n'y a aucun risque. Donc, il restera juste à mettre notre petite poignée et on aura... Alors là, il n'y a pas de trappe, c'est notre coffre à boîte de conserve. Ouais. Bon, on va dire ça comme ça. On a fait la petite finition là-haut. Regardez comme c'est beau, vous la voyez même pas, c'est fait exprès. En fait, c'est des moulures, enfin je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Pas des moulures, c'est des cornières. C'est des baguettes d'angle, des cornières, ouais, enfin c'est des baguettes d'angle.
Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais ça se voit même pas, hein. Y a une différence d'angle. Donc j'ai acheté ça, c'était du bois brut. J'ai acheté de la peinture, c'était du badigeon, on appelle ça. Et j'ai passé dessus et voilà, ça se confond. On dirait que c'est la même couleur que le cérusé. Donc impeccable, on a fait ça sur toute la longueur. Il reste de l'autre côté à faire, mais je le fais pas parce que j'ai une petite idée pour ici. Voilà. Et puis voilà, on a bien bossé ces trois derniers jours. Mm-hmm. Grâce à l'aide de Anthony et Elodie qui sont venus nous aider pour les plans de travail, sur le meuble. Encore une fois, merci à eux. Ça nous a donné un bon coup de boost, un bon coup de motivation. Et voilà, le week-end se termine. Ouais. Pas de jour de congé supplémentaire pour travailler dans le car, mais on reprend très vite, samedi prochain. Ouais. Allez, ciao. Ouais, il y a du changement. On est de retour, plusieurs jours après ce début de vidéo que vous venez de voir. Et on a fait quelques petites choses. On s'est pas ennuyé. Déjà, notre premier tour de fenêtre. Et franchement, on est assez content du résultat. Donc comme ça, avec la GoPro, vous vous rendez pas bien compte, mais vraiment, ça rend super chouette. Donc, on va déjà vous expliquer ça, puis après je vais faire un peu le tour de ce qu'on a fait ces jours-ci. Donc en fait, on a tout simplement pris, vous saviez, quand j'avais fait l'armature, y a Raoul avec son FR1 qui était venu m'aider, vous ne l'aviez pas vu en vidéo, mais je vous avais expliqué, j'avais mis trop de tasseaux sur la structure avant l'isolation. Du coup, on en a enlevé quelques-uns, et on les a un petit peu écartés, mais en fait, tous ces tasseaux ne me servaient à rien. Donc tout simplement, en fait, je les ai poncés. Je les ai récupérés, je les ai bien coupés et je suis venu les clouer pour faire mon tour de fenêtre. Voilà. Et franchement, ça rend super bien. Là, c'est du bois de palette sur la partie basse, juste là. Ici, c'est nos tasseaux. Et voilà, on est super contents. Ça approfondit la fenêtre. Bon, c'est du détail, c'est de la finition. Mais on est content d'arriver sur ces petites finitions qu'on peut se permettre de faire maintenant. Puis même là, c'est plus nos tasseaux, mais c'est du contreplaqué. Alors, ouais, dans le fond, c'est du contreplaqué. Tu vois, ouais. On voit vraiment, ça fait le. Regardez, on voit pas grand chose, hein. Non, on si, voit pas. Un petit peu. Ouais, c'est vrai qu'à la GoPro, c'est. Non, je ferai un petit bout de vidéo avec l'appareil photo pour qu'on se rende mieux compte de la teinte. Ensuite, bon, le frigo, vous l'expliquez. Ça, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les tours de fenêtre. Bon, là, vous verrez pas grand chose. On a foutu tous nos matelas ici. On a fait les tours de fenêtre ici, du côté des lits superposés des enfants. Le lit ici est fixé, il est terminé et les lattes sont fixées aussi. Donc on voit pas grand chose, si voilà, on voit un petit peu, donc voilà, tous les tours de fenêtre sont faits là. Là on est en train de finir, j'ai la lumière en plein dans la face, de ce côté là on est en train de finir le lit, donc on va finir le tour de fenêtre, on est en train de le faire là. On va fixer les lattes, fixer le lit, et on va faire ce petit bout de rangement là, je vais m'y coller là, dans les prochaines minutes. Une fois que j'aurai coupé la vidéo, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais l'idée c'est de mettre du lambris blanc ici sur les côtés, tout le long, pour fermer. Une planche en sapin en bas, qui sera certainement peinte en blanc aussi. Une petite planche ici pour faire l'étagère qui sera blanche aussi, le fond sera en wingé aussi. Donc je pense que je vais mettre du contreplaqué. Voilà, c'est de la finition. Tout ça c'est de la finition, et on est bien content de s'y mettre. Après il va falloir qu'on voit pour faire nos petits coffres de rangement et intégrer nos lampes dedans. Donc ça, ce sera un peu plus tard. Et on a reçu quelque chose ici pour cette pièce là, vous vous souvenez là, cette pièce avec le petit hublot, c'est nos toilettes ici. Justement, on a reçu quelque chose pour les toilettes. Nos toilettes. Oui, c'est nos toilettes. Je vais pas vous le montrer dans cette vidéo, je ferai une présentation de ce produit là. Effectivement, ce sera un partenariat, alors non rémunéré, c'est une collaboration commerciale. On a reçu gratuitement les toilettes, le tout c'est de les tester et de vous en parler. Donc je ne vais pas vous en parler tout de suite puisque j'ai encore à peine déballé le produit. Il va falloir qu'on monte les toilettes, qu'on les teste. Ça va s'accélérer. Bah ouais. Ça sent bon, ça sent la fin bientôt. Mmh. Et ça sent aussi bientôt le dossier de Réal. J'ai commencé à me pencher dessus. On va avoir quelques petits soucis, c'est sur la partie solaire. Il y a de plus en plus de Réal qui demandent un document en particulier. Et même si on leur fournit en fait la documentation qui est donnée par Victron, nous c'est du matos Victron, ça ne leur suffit pas, certaines réales, il leur faut une fiche de communication européenne par rapport au champ magnétique et tout ça, c'est la norme R10. Donc on a ce problème là qui pourrait peut-être se poser avec la Dréal là où on a décidé de poser le dossier. Donc on va voir, si on arrive à avoir ces fiches, tant mieux, si on n'arrive pas à les avoir, on se débrouillera, on verra comment on peut faire, comment on peut se débrouiller, puisque de toute façon, c'est des documents qui sont obligatoires pour ces réels-là. C'est vrai que là, oui, on est
On attend que le plus gros se débloque. Bon, on n'est pas en attente parce qu'on a encore plein de trucs à faire. Bah oui, mais du coup, on a pas mal de finitions. Voilà. On fait les étagères, on fait les. Voilà. Enfin, mais c'est des trucs qu'il faut qu'on fasse. Bah, oui. Et c'est des trucs qu'il faut qu'on fasse qui nous coûtent pas trop cher, à part acheter de la peinture et des clous. Voilà. Parce que ça, clairement, le petit pot de peinture à 20 euros, les tasseaux, on les a déjà. En plus, c'est des trucs qu'on a achetés il y a plus d'un an quasiment. Bah, oui. Donc, autant qu'on les passe, on s'en serve. Le plus long, c'est de les travailler, en fait, c'est de les poncer et de les vernir. Mais sinon. Les recouper, les. Ah oui, les recouper aux bonnes dimensions. Mais sinon, c'est marrant. Moi, j'aime bien. On a nos trois affreux qui sont en train de s'entretuer dehors, enfin surtout les deux plus petits. Ouais. Bon, voilà. Ouais, je vais me coller à mes rangements derrière et je vous reprends juste après. Ben, on est de retour le lendemain matin. Je vous fais découvrir en même temps qu'Olivia ma dernière réalisation. Je vais attendre qu'elle soit prête pour ça. Tu me dis quand t'es prête? Ouais. Parce qu'il faut que je me tienne à côté du tableau électrique pour allumer là-bas pour que ça soit du meilleur effet. Moi, je suis assez content du résultat. Bon, il y a deux, trois petites finitions à faire, des petits. Dans les angles surtout. Mais franchement, on fera ça après. Vas-y. Ta-da ! Eh bah, très bien. Chouette ! C'est propre. Voilà. C'est propre. Tout et en là, récup. Après, plus que l'étagère là. Voilà, faire la planche d'étagère en plein milieu, la petite lumière en haut. Donc là, c'est du lambris qu'on a poncé. Tout simplement, le lambris cérusé qui est là, on voulait pas que ce soit la même chose, donc on l'a poncé. Là, c'est une planche contreplaquée en 5 qui nous restait, qu'Olivier a passé en vernis Wenge. Wenge ou Wenge, je sais pas comment ça se dit, c'est comme les wagos et les wagos, c'est pareil. Et ça, c'est tout simplement la planche du haut et du bas, c'est notre ancien meuble, le bar qu'on avait, El Paso, la gamme El Paso, la même gamme que nos meubles de cuisine. C'est des étagères dans les meubles. Voilà, c'était les étagères, les planches d'étagères qu'on a récupérées, qu'Olivier a poncées, aux 40, 80 et 160. 120, 160. 120, 160, et on a fini par le 160, et franchement, voilà. Et on va le laisser brut comme ça, je pense. Le joli nœud. Hein ? Le joli nœud. Oui, un joli nœud là. Tu voulais le laisser brut comme ça ? Oui. Hein ? Ouais. Tu veux pas le vernir ? Non, parce qu'il est très très beau comme ça. Donc voilà, avec la petite lampe là-haut, qui va rester là, qu'on mettra juste un petit interrupteur, peut-être un peu plus tard. Au pire, on mettra juste ici l'interrupteur, je sais pas, on verra bien. Et puis voilà, il restera la petite planche à mettre là, ici, pour faire l'étagère. Et petite finition, là, dans les angles. Pareil, on va prendre des voilà. Jolies étagères qu'on avait du bois de récup. Tout en récup, quasiment. Tout en récup ou des trucs qu'on avait déjà, on n'a rien acheté pour ça. Ouais, non. Tu peux faire le taf, hein, elle est belle. Hein. Je préfère du bois d'un bloc. Ouais, ouais, il y a elle. Il y a non, elle n'est pas d'un bloc, elle. C'est du collé, je crois. Bon, on regardera, je vais regarder non, après. C'est du. Ouais, là, il y a juste en les fait, fentes. On a... Hein. On a encore tout ça en récup, ça, c'est notre barre qui nous ouais. Restait. Là, on a encore, bah, on a elle. Encore là. Bah, là. Ouais, mais elle est peut-être pas assez elle large. Elle n'est pas assez large, ouais. En fait, c'est ouais, que du mais c'est du bois massif, hein, c'est tout du. Pour ça qu'on le garde. C'est tout du pain massif, nos anciens meubles. Et puis, il faut que je répare aussi ma petite connerie. Hein. Hier, j'ai fait. Parce que je suis obligé de couper mes bois en deux pour suivre l'arrondi des cloisons. Et en fait, bah, quand je l'ai présenté, il manque un petit peu. Bon, je chipote, hein, mais il y a quand même un bon millimètre. Donc, du coup, j'ai recoupé un morceau. Voilà, c'est ça. Ça, c'est avant. Après ponçage et vernissage, voilà. Donc il faut que je retravaille ça et que je le ponce et que je le passe en vernis, que je finisse mon petit tour de fenêtre. Et là, ça sera fini. On va pouvoir fixer le lit, fixer les lattes et on aura terminé cette partie-là. Après, il n'y aura plus que de la finition, des petites baguettes d'angle, etc. Ça, ça se fera plus tard. On va mettre les sécurités. Mais ça. Oui, après, on viendra mettre les retenues des garde-corps. Et les échelles, mais ça c'est pareil, on peut le faire après, on n'est pas obligé de le faire maintenant absolument. Là on fait vraiment les trucs qui nous obligent, parce qu'on voulait fixer les lits définitivement, mais pour les fixer il faut faire les tours de fenêtre correctement, sinon on n'y accède plus, etc., etc. Donc voilà, on va au plus pratique, au plus simple et au plus rapide de ce qu'on doit faire. Bon, puis il y a un truc qu'on voulait vous montrer aussi. Et voilà, notre futur évier. Alors ouais, c'est sûr que c'est minimaliste comme évier. Ça fait tâche sur la... Ça fait tâche ? Mais non, pourquoi tu dis ça ? Ça fait tâche sur mais le non, ça fait pas tâche.
Ouais, c'est vrai que ça fait comme si le meuble était super grand. Non, non, ça se marie très bien. Et il nous restera juste notre plan de travail, la même matière que ça, à mettre ici. Et puis ce sera tout bon. On va pouvoir prendre toutes les mesures. Anthony va pouvoir revenir, faire ses découpes, emmener les trois pièces de plan de travail et les travailler. Il va me faire un super travail. J'ai déjà vu comment il bosse. Et franchement, ça va être super propre. Et comme ça, on pourra finir notre tour de fenêtre, etc., etc. On pourra avancer petit à petit. Là, c'est cool, on arrive dans quelque chose qui est plus sympa. C'est ce que je disais, on arrive dans c'est peut-être des petites finitions, des petits détails, mais c'est l'aménagement. Et là, ça commence à vraiment nous plaire. Et franchement, c'est beau. Hein. La petite astuce, il y en a qui vont me dire, oui, ça s'oxyde, le cuivre avec le temps, oui, ça se raye. Alors oui, ça s'abîme. La petite astuce qu'on nous a donnée dans l'entreprise où on l'a acheté, donc chez Bourja, c'est une entreprise qui est vers chez nous, dans l'Isère. En fait, Magasin d'usine directement, ouais. Et du coup, la petite astuce qu'on nous a donnée, c'est de tout simplement passer du vernis PU ou quelque chose comme ça, en fait, à l'intérieur. Et bah, ça ne bougera pas. Normalement, ça ne bougera pas puisque ce n'est pas une matière flexible. Parce qu'il y a des clients qui le font et du coup. Il y a des clients qui le font. À mon avis, il faudra peut-être le poncer avant. Faut que ça accroche dessus, on verra bien. Elle m'a dit comme ça. Donc voilà, c'est un confiturier. Ouais, c'est ça. C'est un confiturier en cuivre. Alors oui, là, on aurait pu faire 100% récup et acheter sur une brocante ou sur le bon coin. Mais elles sont toutes oxydées. En brocante, elles sont vraiment toutes vraiment bien abîmées, oxydées. Et la deuxième raison, c'est qu'on l'a eu à 30 euros et que sur le bon coin, celles qu'on trouvait les moins chères étaient à 40. Donc 30 euros neuves. Y a aucun risque, voilà. Bon, j'ai pas filmé grand chose comme d'habitude. Enfin, franchement, début d'année, je bosse, mais je filme pas grand chose. Bon, j'ai refait un autre tour de fenêtre avec la méthode que m'a montré Anthony. Donc voilà, toujours du bois de palette, de la récup. Après, il va falloir faire le petit retour, tout mettre en peinture, mais le retour, je peux pas le faire tout de suite tant que le plan de travail n'est pas posé définitivement. Donc pour l'instant, ça reste en attente. Je pouvais pas rester en place, donc du coup, j'ai fait mon fameux petit coffrage avec mon ELEC, donc là il n'y a plus qu'à ranger les câbles un peu correctement, ce qui me donne accès à deux prises en 230 dans le dossier de ma banquette, donc sur le dessus. Après là je vais venir fermer tout ça, donc voilà, ça me fait une banquette, donc la planche en pin elle va pas rester là, hein, c'est juste pour la poser. Ça me fait une banquette en L comme j'avais prévu avec le dossier derrière et tout est bien calculé, regardez un peu, ça s'arrête pile poil à mon meuble. Peut pas faire mieux. On a fait aussi un petit meuble de rangement tout en récup, pareil, c'est toute la récup de nos anciens meubles, donc avec les petites portes et tout ça. Il nous manque deux charnières, donc on va aller en acheter demain. Et franchement, on est super satisfait du résultat. Voilà, et ça fait un petit meuble de rangement très bien fini qui va venir après quand j'aurai fini le fond et mis les planches à l'intérieur. Ça va vraiment faire un petit chouette meuble un peu dans le même style que nos anciens meubles. Voilà, tout un ensemble de meubles. Bon, on est plutôt pas mal. Ça sent bon. Bon, bah voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. On a bien bossé. Là, on va aller chercher une pizza. Ah, Olivia, elle s'est sauvée. Elle m'a snobé complet, Olivia. Ouais. Elle va vite aller manger pizza. Bon, allez, c'est la pizza du samedi. Non, on n'est pas samedi, on est dimanche. Demain, il y a boulot. Donc, c'est pour ça qu'on va finir cette vidéo maintenant. Et on se retrouve donc du coup pour une prochaine vidéo, je vous dis pas quand parce que c'est pareil, je filme pas des fois, bref je reprendrai les travaux en essayant de filmer un petit peu, promis. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite, j'espère, pour les cuves. Normalement là elles sont bientôt là, elles sont finies, j'ai eu les photos et les vidéos aujourd'hui, donc normalement d'ici deux semaines grand max elles sont là, donc pour la prochaine vidéo peut-être que vous les verrez ou peut-être pas, j'en sais rien. Allez, à plus tard dans le quart.